Soit le bienvenu. On se retrouve aujourd'hui pour une émission sur l'inégalité de Cauchy-Schwartz. Le théorème qu'on va démontrer aujourd'hui, c'est que si on considère E un espace préhilbertien réel, ou un espace euclidien selon ta filière, et qu'on note comme ceci la norme associée à ce produit scalaire, eh bien pour tout couple de vecteurs X et Y, la valeur absolue du produit scalaire entre X et Y est plus petite que le produit de la norme de X et de la norme de Y. En plus de ça, cette inégalité va être une égalité si et seulement si x, y est une famille liée. Autrement dit que les vecteurs x et y sont collinéaires. Afin d'illustrer immédiatement cette inégalité, on peut repenser, avec nostalgie, au produit scalaire vu au lycée. Dans R2, on avait vu que le produit scalaire entre deux vecteurs, c'était le produit des normes que multipliait le cosinus de l'angle entre u et v. Ainsi, comme cosinus prend ses valeurs dans moins 1, 1, eh bien, on obtient directement l'inégalité de Cauchy-Schwarz, et puis c'est une égalité si et seulement si le cosinus vaut moins 1 ou 1, c'est-à-dire que l'angle vaut soit 0, soit pi, modulo pi, et donc que les vecteurs u et v sont colinéaires. Maintenant, il va s'agir de produire une démonstration dans le cas général. La première démonstration que je vais te proposer aujourd'hui, c'est celle que j'appelle la populaire. C'est celle que j'ai vue quand j'étais en deuxième année. Donc on va considérer la fonction p, qui a un réel t, associe la norme au carré de x plus ty. Afin de pouvoir développer un semblant d'intuition, on peut essayer d'illustrer ça géométriquement. Que regarde-t-on On va considérer un vecteur y comme ceci, sur l'axe horizontal, et un vecteur x comme ça, qui part en travers. Et on va se demander, en fait, la norme au carré du vecteur x plus ty. Donc je fais quelques illustrations géométriques. Pour t égale 1, on regarderait le carré de la norme de x plus y. Pour t égale 0, on regarderait seulement la norme au carré de x, et pour t égale moins 1, ça serait probablement ce vecteur, etc. Donc en fait, on regarde finalement la norme au carré de cette infinité de vecteurs-là. Alors je dis une infinité, mais en fait, si on regarde le dessin et qu'on regarde la fonction d'ailleurs, on s'aperçoit que pour y égale 0, c'est pas très intelligent comme fonction, c'est une fonction constante, est égale à la norme de x au carré. Donc on peut exclure directement le cas où y est égal à 0. En effet, si y égale 0, L'inégalité de Cauchy-Schwarz s'écrit 0 plus petit que 0 qui est vérifiée. Donc je peux me permettre de démontrer l'inégalité seulement dans le cas où y est non nul. Maintenant, pour tout réalité, on va calculer cette fonction là. On va calculer p de t et on va utiliser pour cela les bonnes propriétés du produit scalaire. Si je développe que j'utilise la bilinéarité, j'obtiens dans un premier temps x scalaire x, c'est-à-dire la norme de x au carré plus x scalaire ty c'est-à-dire t fois x scalaire y, par linéarité à droite du produit scalaire. De la même manière, j'obtiens t, que multiplie y scalaire x, par linéarité à gauche, cette fois, du produit scalaire, plus la norme de ty au carré, et ça me donne t carré fois la norme de y au carré. Maintenant, je peux rassembler les termes x scalaire y et y scalaire x, par symétrie du produit scalaire, et obtenir cette quantité-là. Et cette quantité, d'ailleurs, elle est positive. Puisqu'on regarde ici une norme au carré d'un vecteur, donc c'est quelque chose qui est positif. Maintenant, quand je regarde cette fonction, bien qu'il y ait plein de symboles obscurs qui me brouillent la vision, on s'aperçoit qu'on a une fonction qui est une fonction polynomiale de degré 2. Autrement dit, en considérant le polynôme associé à cette fonction polynomiale, ou l'indéterminé, je la note grand T, ce polynôme-là est un trinôme du second degré qui est toujours positif. Par conséquent, son discriminant est négatif ou nul sauf que son discriminant si on le calcule, ça nous donne 4 fois produit scalaire de x et y au carré moins 4 fois le produit des carrés des normes de x et y. Et ça on nous dit c'est négatif. Maintenant, il suffit de faire passer un terme d'un côté et de mentionner la croissance de la fonction racine carrée sur R+ pour obtenir directement l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Traitons à présent le cas d'égalité. On va procéder par double implication. On va dire que si on a égalité alors, ça veut dire que le discriminant qu'on a calculé tout à l'heure, qu'on a appelé delta, vaut 0, et donc que le trinôme du second degré P admet une racine, qu'on va noter t. Maintenant, si on revient à la définition même du polynôme grand P, il a été construit à partir de la fonction petit p, et donc ça veut dire que la norme de x plus ty au carré vaut 0. Donc, que le vecteur lui-même, x plus ty, vaut 0. Et cela par séparation de la norme, ou par définition du produit scalaire. Et donc ça, ça implique que la famille xy y est liée. Alors pour terminer, on avait exclu le cas où y était égal à 0, mais si y égale 0, le résultat est trivial. Toute famille qui contient le vecteur nul est forcément une famille liée. Donc il n'y a même pas besoin de ces quelques lignes pour conclure. Maintenant on peut faire la réciproque. On va supposer que x, y est une famille liée. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut faire de manière tout à fait indépendante du début de la démonstration. On va dire que si xy forme une famille liée, alors soit y égale 0, auquel cas on a directement l'égalité souhaitée, puisque les deux termes qu'on compare sont tous les deux nuls, ou alors il va exister un réel t tel que x puisse s'écrire t fois y. Et ici on va faire un calcul tout simplement. On va calculer la valeur absolue du produit scalaire entre x et y. Ça va nous donner valeur absolue de t que multiplie y scalaire y, c'est-à-dire norme de y au carré. Mais ici on peut aussi écrire ça comme la norme de t y que multiplie norme de y. Et donc, tout simplement, norme de x que multiplie norme de y. Et cela nous permet de conclure. Au final, on a démontré qu'on avait égalité si et seulement si la famille était liée. Ce qui termine la première démonstration. Alors, dans le cadre de l'apprentissage des démonstrations, comme je le développe dans le livre que je suis en train d'écrire, cette démonstration n'est pas très satisfaisante. Puisque l'intuition qui consiste à poser la fonction p qui à t associe la norme au carré de x plus ty, n'est pas vraiment très clair. Il est assez difficile de percevoir exactement ce qu'on cherche à faire en considérant cette fonction-là. Afin de réaliser une transition habile avec la deuxième démonstration, on va se rappeler qu'à un moment, on a dit que si le discriminant était égal à 0, alors p admettait une racine. Mais quelle racine? On l'a jamais calculée, parce qu'on n'en avait pas besoin, tout simplement. Si on la calcule, c'est l'unique racine d'un trinôme du second degré. Donc on a une formule pour ça, d'ailleurs c'est moins b sur 2a. Donc ça me donne moins 2 produit scalaire de x et y divisé par 2 normes de y au carré. Et donc en simplifiant, ça me donne tout simplement moins produit scalaire de x et y divisé par norme de y au carré. Et là on peut se poser la question, parce que finalement, on était en train de regarder plein de normes au carré de x plus t y. Mais pour cette valeur de t qu'on vient de trouver, ça correspond à quoi sur le dessin A t égale 1 A t égale 0 a t égale moins 1, et géométriquement, on se demande vraiment à quoi ça correspond. Et justement, on va le développer pour la deuxième démonstration. Cette démonstration, je vais l'appeler le court-circuit du géomètre, sous l'œil bienveillant de Marcel, qui a toujours aimé les dessins. Donc en faisant un peu de place, la question qu'on se pose, c'est que représente le vecteur x plus ty avec cette valeur de t Et en fait, on peut réaliser le dessin suivant. Si je considère le projeté orthogonal de x sur la droite vectorielle engendrée par y, donc même sans savoir ce que c'est un projeté orthogonal, on peut imaginer que ça ressemble à ce qu'on faisait au lycée, eh bien la composante de x sur la droite vectorielle engendrée par y, on peut démontrer que c'est produit scalaire de x scalaire y divisé par norme de y au carré que multiplie y. Et si je fais la différence des deux vecteurs, c'est-à-dire que je fais x moins ceci, autrement dit x plus ty, et eh bien j'obtiens ce vecteur-là, en jaune. Alors ça c'est quelque chose que je vais développer dans l'émission suivante sur le procédé d'orthonormalisation de Gram-Schmidt. Mais juste pour aujourd'hui, sans même parler de projeté orthogonale ou de Gram-Schmidt, on peut juste se dire qu'en fait, on a choisi la valeur de t qui nous permettait de dessiner cet angle droit ici. Autrement dit, de dire que le produit scalaire entre x plus t, y et y valait 0. Et si on résout cette équation, c'est très simple, on va trouver que t, ça vaut la valeur qui est dans l'encadré. Alors, comme tu n'as aucune raison de me croire sur parole, eh bien, je vais calculer le produit scalaire de x plus ty et de y. Sachant que j'ai à nouveau exclu le cas où y était égal à 0 pour la même raison que tout à l'heure. On peut traiter ce cas à part. Et ici, comme la norme de y apparaît au dénominateur d'un quotient, eh bien, il vaut mieux que y soit non nul. Donc, si je fais ce calcul, à nouveau, eh bien, dans un premier temps, je peux remplacer t par sa valeur, et puis utiliser la linéarité à gauche du produit scalaire, afin d'obtenir finalement 0. Autrement dit, ce qu'on a fait sur le dessin, c'est justifié par le calcul. Donc c'est quelque chose effectivement qu'on retrouvera plus tard quand on étudiera les projetés orthogonaux. Ici, ce qu'on a considéré, c'est le projeté orthogonal de x sur grand f qui est la droite vectorielle engendrée par y. Et une caractérisation de ce projeté, c'est justement le dessin qu'on vient de faire. C'est-à-dire que si je prends le vecteur x et que je lui ôte son projeté, j'obtiens quelque chose qui est orthogonal à cette droite vectorielle. Alors c'est le moment de se demander, finalement, à quoi sert cette orthogonalité Eh bien on se rappelle de bien vieux souvenirs en invoquant ici le théorème de Pythagore. On va décomposer x comme somme de deux vecteurs orthogonaux. On va dire que c'est le vecteur x plus ty moins ty. Et les vecteurs x plus ty et moins ty sont orthogonaux, comme sur le dessin. Par conséquent, par le théorème de Pythagore, on peut dire que le carré de la norme de la somme de ces deux vecteurs c'est la somme de leurs normes au carré. Et ça me donne cette égalité-là. Maintenant, on peut isoler la norme au carré de x plus ty, donc c'était la quantité qui nous intéressait dans la première démonstration, et l'exprimer comme la différence, finalement, norme de x au carré, moins t carré, que multiplie la norme de y au carré. Maintenant, on peut remplacer t par sa valeur, ce qui me donne ceci, et si on simplifie par norme de y au carré, on obtient finalement cette quantité-là. C'est ici le moment de créer du lien entre les deux démonstrations. Finalement, cette norme-là qu'on a développée brutalement la dernière fois, pour n'importe quelle valeur de t, ici, pour une valeur de t spécifique qui correspondait à quelque chose de très concret sur le dessin, on a réussi à la calculer très simplement. Et on peut dire que comme c'est une norme au carré, eh bien à nouveau c'est une quantité positive. Et maintenant il suffit à nouveau de faire passer un terme à droite et de mentionner la croissance de la fonction racine carrée pour obtenir, comme tout à l'heure, l'inégalité de Cauchy-Schwarz. En ce qui concerne le cas d'égalité, et eh bien, là aussi, ça va être assez facile. On va procéder par double implication. On va dire que si on a égalité, alors, la norme au carré de x plus y vaut 0. C'est le calcul qu'on a fait juste au-dessus. Et donc, finalement, par séparation de la norme, on obtient x plus y égale 0. Donc, on a bien une famille liée. Et là aussi, comme tout à l'heure, on peut vérifier que le cas y égale 0 ne pose pas de problème. Et pour la réciproque, eh bien, on avait dit tout à l'heure que finalement, la preuve produite était complètement indépendante de ce qui précédait. Et donc on peut reproduire exactement la même preuve, ce qui termine cette deuxième démonstration. J'espère que cette émission t'a plu, je te souhaite une excellente journée, et je te dis à la prochaine.